m'appelle Arnaud Bazir, je suis le directeur général délégué de Suez Eau France. Je dirais que c'est une démarche un petit peu naturelle pour nous, d'abord parce qu'on est des partenaires, j'allais dire, presque anciens maintenant. On a l'habitude d'accompagner cet événement. Et puis parce que ça recoupe totalement nos centres d'intérêt et je dirais même plus largement l'intérêt général. Toutes les problématiques autour du climat, de la protection de la ressource et notamment de celle dont nous sommes des spécialistes, à savoir l'eau, nous paraît une démarche tout à fait évidente. Écoutez, je pense qu'effectivement, une entreprise comme la nôtre développe année après année tout un ensemble d'innovations, d'idées qui peuvent être tout à fait mises en œuvre, qui sont d'ailleurs, Dieu merci, pour certaines d'entre elles déjà mises en œuvre aujourd'hui, peut-être insuffisamment au regard des nécessités. Je rappelle que 9 catastrophes naturelles sur 10 dans le monde ont l'eau pour origine. Bien. Deuxièmement, on sait que de plus en plus les populations se concentrent dans les zones urbaines, ce qui va générer de plus en plus rapidement maintenant un certain nombre de situations de stress hydrique. Il va falloir être économe de la ressource, ne pas la gaspiller, ne pas gaspiller non plus les déchets que son traitement peut générer. Par exemple, vous savez que l'eau est traitée après usage dans des stations d'épuration. Mieux on la traite, plus on va produire ce qu'on appelle des boues de stations d'épuration. Pendant longtemps, on n'en faisait pas grand-chose. Aujourd'hui, on a des innovations, des procédés qui permettent de la transformer en énergie, par exemple pour chauffer des villes. On injecte du biométhane issu des boues dans les réseaux de chaleur urbaines. Voilà un très bon exemple d'économie circulaire qui est extrêmement vertueuse, que l'on sait faire, qui mériterait sans doute d'être plus développée. Vous savez, je travaille pour une entreprise qui a 150 ans aujourd'hui, puisque Suez Eau France avant s'appelait Lyonnaise des Eaux. La Lyonnaise des Eaux a traversé plusieurs guerres, plusieurs crises économiques, des tas de situations difficiles. Et notre métier, c'est de s'adapter. Or, qu'est-ce qu'on demande à l'humanité aujourd'hui? C'est de s'adapter à la nouvelle composante de la transition énergétique, de la transition écologique. Je pense qu'une entreprise comme la nôtre a tout ce qu'il faut pour démontrer que l'adaptation est possible. C'est absolument essentiel parce que ma conviction, c'est que c'est vraiment l'affaire de tous. Trop souvent, me semble-t-il, on entend l'État devrait s'occuper d'eux, les administrations devraient s'occuper d'eux, les entreprises devraient s'occuper d'eux. Non, c'est le problème de tout le monde. Le fait, par exemple, de ne pas gaspiller l'eau, c'est effectivement le problème d'entreprises comme les nôtres, parce qu'on peut amener des solutions. C'est le problème de l'État et des institutions parce qu'elles produisent de la norme juridique, mais c'est surtout presque le comportement individuel de chacun qui influera sur le bon état de nos ressources ou pas.